sommes dans un contexte bien particulier et dans la vie des institutions, il faut savoir souvent s'arrêter, faire le point de ce qui va, de ce qui ne va pas, relever les acquis, et identifier les lacunes et travailler à les combler. Donc c'est dans ce sens-là que le chef d'état-major a instruit de faire le diagnostic de la formation en gendarmerie et de se projeter pour que demain nous ayons des personnels plus aptes à assumer les missions assignées à la gendarmerie nationale. J'ai été sollicité pour développer un panel sur la géopolitique du Sahel, les enjeux sécuritaires. Le panel inaugural permet donc de mieux s'y situer un peu dans cet environnement géopolitique qui impacte notre sécurité nationale. Et cela donc va permettre de mieux adapter le contenu de la formation à tous ces défis sécuritaires qui nous environnent et qui demandent que nous ayons donc une réadaptation des capacités nationales à faire face à ces défis. Donc c'est tout à fait pertinent. Et le Centre national d'études stratégiques que je dirige est parfaitement au cœur donc de ce sujet-là. Et je pense d'ailleurs que nous sommes en train de développer la suite, la réforme de la sécurité nationale qui permettra donc de mieux capaciter nos forces à avoir donc une capacité solide pour faire face à ces défis sécuritaires qui sont de plus en plus accrus et qui déstabilisent notre sous-région.